Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site One Day Saving. Tout d'abord, vous avez vu, j'ai changé la position de ma caméra. Bon, bah déjà, ça change un petit peu. Mais j'ai surtout changé parce que les deux dernières vidéos que je vous ai publiées, j'ai eu un énorme problème de micro. Pour ceux qui n'ont pas entendu, hein, je pense que parce que c'est un iPhone que j'ai, donc il y a des micros en bas et un micro en haut. Et les micros du bas, je pense qu'ils sont morts. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on m'entendait de loin, de près, de loin. C'était une horreur. Donc du coup, j'ai testé en fait. C'est-à-dire que ça fait ça quand je filme avec la caméra arrière. Et là, je teste en filmant avec la caméra avant. Donc, j'espère que ça va aller. Dites-moi dans les commentaires si vous m'avez bien entendu. C'est un petit peu ma dernière chance parce que là, j'ai regardé des solutions pour écu, enfin pour voir ce qui se passait au micro, mais je ne sais pas trop comment le réparer. Il parle de démonter le téléphone avec un sèche-cheveux, y aller doucement mais pas trop vite, sinon on pète l'écran. Enfin, clairement, j'ai pas envie de faire ça parce que si en plus que j'ai plus de micro, j'ai plus d'écran, ça va être la cata. Donc vous, surtout, dites-moi dans les commentaires si ça s'est bien passé au niveau du son. J'ai fait un petit test avant et apparemment, en filmant de cette manière-là, ça va. Donc je ne sais pas si ça va le faire tout au long de la vidéo, mais j'espère, je croise les doigts, parce que si c'est ça, bien sûr, je ne vais pas arrêter ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, y aura une pause de vidéo parce que je vais pas acheter un téléphone là tout de suite. Pas dans les 3 mois qui suivent non plus, mais... Pas là tout de suite, quoi. Surtout que ça va demander réflexion quand même parce que j'hésite à partir maintenant sur Samsung. Moi, souvent, j'aime bien alterner. Hein. Donc, je verrai bien. Voilà, là, c'est le petit test. Si ça fonctionne comme ça, c'est super. Au moins, je peux vous filmer les unboxings comme ça. Et puis, même pour faire des DP blabla ou du point de croix blabla ou pour vous montrer des réalisations... faire du colo avec vous, je peux quand même filmer comme ça. Vous voyez un peu à l'envers, mais j'espère que la caméra de l'avant va marcher. Voilà. Bon, One Day Saving, 5e partenariat avec eux. J'aime beaucoup leur site. Il y a toujours un grand choix de produits. On a du point de croix, de la peinture, de la peinture par numéro et bien sûr du diamond painting. Aujourd'hui, j'ai deux articles à vous présenter. Un article de point de croix, il s'agit d'une taie d'oreiller pour mon fils. Vous allez voir le modèle. Et le deuxième article, c'est un stylet en diamond painting. C'est une petite nouveauté que je voulais essayer. Donc voilà, je vais vous faire voir tout de suite. Je vous mettrai dans la description les liens des deux articles, le lien de One Day Saving. Et je vous mettrai aussi des liens qui m'ont proposé. Donc je vous les mettrai en description. Le premier lien, c'est un lien où vous allez retomber directement sur le site avec toutes des peintures, des diamond painting à moins de 4 $. Voilà. Et le deuxième lien que je vous mettrai, ça sera un lien où quand vous allez cliquer dessus, vous allez retomber aussi directement sur le site de One Day Saving. Et cette fois-ci, vous aurez tous les kits préférés. Donc à mon avis, c'est les meilleures ventes en fait sur leur site. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, le lien de l'oreiller, du stylet et le lien de One Day Saving. Dernière chose, et ensuite promis, on regarde tout ça. J'ai un code réduction de 5% pour vous avec le code MALO, M majuscule, en minuscule ALAU, 05 et OFF, tout en majuscule, OFF. Voilà. Mais de toute façon, pas d'inquiétude, je vous le mettrai dans la description. Bah allez, c'est parti. Alors, premier article, deuxième article. Hop, alors là, j'ai pas de place à droite, pas de place à gauche. J'ai essayé de mettre comme je pouvais. J'ai pris un pied que j'ai mis en hauteur sur une boîte de farine en fer. Enfin, c'est Bagdad. Mais bon, principal, c'est que vous entendez, j'espère. Allez, c'est parti. Bah écoutez, on va commencer par l'article de DP parce que c'est un petit truc. Alors, en fait, ça, je vais l'ouvrir. Ça fait quelque temps que je le vois circuler sur les sites de DP. Il existe en plusieurs couleurs. Il s'agit d'un stylet de diamond painting avec de la cire déjà insérée dedans. Bien sûr, il existe... Alors déjà, pour commencer, hein, c'est mis dans une boîte en plastique. C'est bien protégé avec un cale pour pas que ça bouge de droite à gauche. Donc ça, c'est pas mal. Oui, donc je disais, de la cire déjà insérée dedans.
Il y a eu un petit bug, à moins que c'est moi qui me suis mal exprimée, mais je l'avais demandé en rose. Là, je l'ai eu en blanc. Mais sinon, il existe aussi en rose ce stylet. Et vous voyez, au bout, on a de la cire. Bon, là, c'est un peu caca-boudin, parce qu'à mon avis, ça c'est. Voilà. Hop, je vais enlever le petit morceau. Bon, ça, j'en aurais plus besoin. Le petit morceau qui déborde. Voilà, et c'est un système comme ça où on roule. Alors là, dans le kit, là, il n'y a pas de recharge avec, mais vous pouvez acheter à part du kit, il y en a sur One Day Saving, des recharges, je ne sais plus, de 1, 2, 3, 4, enfin bref, des recharges, c'est pas si cher que ça, il me semble. Et en fait, vous voyez, bon, forcément, la caméra avant, j'ai l'impression que c'est un peu moins qualitative, mais bon, on n'a pas le choix. Alors là, je tourne, hein. Voilà, vous voyez, la cire, elle est sortie un petit peu, vous le voyez là ici. Et alors, ce stylet, j'ai ma copine Déborah, que je vous ai déjà parlé, elle a été plus rapide que moi. Et elle a reçu, donc il y a quelque temps, elle est venue à la maison. Et le jour même, elle a reçu son stylet. Donc, elle a pris pour le tester chez moi. On l'a testé rapidement, hein. C'est-à-dire qu'on l'a testé sur des diamants en cristal d'ailleurs, sur un petit objet spéciaux. Et bah c'est bien, on peut très bien prendre le diamant, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé quand même que c'était un peu large au niveau du stylet. Le diamant, c'est plus large en fait qu'un stylet traditionnel, on va dire. Et la colle, attention à ne pas trop la sortir. Là, vous voyez, pour diamanter par exemple, je l'ai sorti de trop. On peut pas rembobiner, hein. Rembobiner. Alors, non, et puis il faut pas que je le casse non plus. Non, on ne peut pas rembobiner. Bah alors, je vais y arriver. On ne peut pas rembobiner. Voilà. C'est-à-dire qu'un peu, c'est comme les. Comment ça s'appelle? Ça n'a rien à voir, mais je sais plus comment ça s'appelle. Les gélatos dans le coloriage, quand on sort la petite craie de couleur, ensuite, on ne peut pas la rentrer. Enfin bref, petit aparté. Mais là, vous voyez, j'ai sorti trop de cire. C'est-à-dire que ça fonctionne. Là, je le remets à ras. Il faut sortir un tout petit peu, quoi. Bah, de toute manière, vous avez qu'à remarquer, un stylet rose, quand on pique dans la cire, bah, c'est à ras du rond d'acier, en fait, ça déborde pas. Sinon, bah, ça va marcher, hein, mais on va se retrouver avec des surplus et des surplus. Voilà, là, c'est largement suffisant. Même peut-être de trop, enfin, vaut vraiment que ce soit comme un stylet rose, quoi. Donc, on en a conclu pour le peu qu'on a fait avec, que ça fonctionnait bien, ça fait très bien son taf. La cire, peut-être un peu molle, j'aurais dit. Mais bon, ça c'est pas bien embêtant. Mais il faudrait que je diamante un grand carré avec en diamond painting pour vraiment me donner mon avis final. Mais on s'est dit par contre, ce stylet-là, pour des diamants spéciaux, ça peut vraiment être tip-top. Comme c'est plus gros, comme on a bien de la cire comme il faut, ça peut vraiment être tip-top. Voilà. Donc, stylet bien sympa. J'ai trouvé cool cette petite nouveauté. Au prix de 3,77 €. Alors, je vais remettre dans sa petite boîte. Voilà. Mais ouais, c'est sympatoche. Et puis bah, ça permet de pas toujours aller chercher de la cire. Et ouais, aussi, là, ça fonctionne bien. Voilà, il n'y a pas de. Ça fonctionne bien. À voir sur un grand carré comment ça se passe, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième et dernier article. Bon, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va peut-être plaire aux mamans qui ont des garçons ou des filles qui aiment les voitures. Il s'agit d'une taie d'oreiller à broder Cars. Voilà. Mon fils étant un grand fan des voitures, tout comme son papa, c'est les voitures, les camions, vroom vroom. Enfin, il est à fond dans ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu cette taie d'oreiller-là, Cars, j'ai dit c'est génial. Un point de croix, c'est long à faire. Mais bon, cet oreiller-là, enfin, je veux dire. Cars, il peut le garder jusqu'à ses 10 ans comme il veut. Enfin, je veux dire, c'est pas comme Peppa Pig, par exemple. C'est plus jusqu'à 3 ans, 4 ans. Enfin, je sais pas, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il pourra le garder quand même longtemps. C'est une voiture rouge, voilà. Alors, regarder ça ensemble. Tac, tac, tac. Alors, on a notre guide
Donc le rappel de l'image, un peu flou, mais vous voyez le modèle quand même. De toute façon, c'est... Alors oui, ce que je voulais vous dire quand même sur cette taie d'oreiller, c'est que à la base, quand je l'ai choisi sur le site One Day Saving, c'était bien écrit 11 CT, hein, puisque c'est du 11 CT. Mais quand j'ai regardé l'image, j'ai trouvé ça assez pixelisé. Enfin, j'avais l'impression que ça faisait des gros points. Donc je me suis dit, mais c'est pas du 11 CT ça. Et je me suis dit, ils ont dû se tromper à tous les coups. Et j'étais persuadée dans ma tête. Hein. Oula, il y a une mouche. J'étais persuadée dans ma tête, je me suis dit, ils ont dû se tromper, ça doit être du 6 CT. Et je vous ai présenté justement la vidéo précédente, un oreiller en 6 CT. J'aimerais bien en avoir un autre parce que j'adore, j'ai commencé mon oreiller, je trouve ça trop satisfaisant, c'est des gros points et tout. Et ouais, donc du coup, je pensais, vous voyez, ça fait vraiment des gros, je sais pas comment expliquer. Et ouais, c'est vraiment quand j'ai regardé le layout, que je me suis dit, mais ils se sont trompés, c'est pas du 11 CT, ça c'est du 6 CT. Et donc j'ai pris cet oreiller-là en étant persuadée que ce soit du 6 CT. Mais non, 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 ils se sont pas trompés, c'est bien du 11 CT, voilà. Et ah merde, je m'aperçois tout de suite que je vais devoir découdre toute la taie. Donc alors. Du coup, on va quand même faire les choses dans l'ordre. Donc 174 points sur 174 points sur un papier glacé super bien imprimé. Et le nombre de couleurs, oh, on a seulement 12 couleurs. Donc c'est vraiment pas beaucoup. En même temps, on n'a pas besoin de plus, hein. Du gris pour le fond, du rouge pour la voiture, un peu d'orange, de jaune, de noir et de bleu. Et le tour est joué. On a les instructions. Et puis voilà. Hop! Bon, je suis un petit peu déçue par contre parce que c'est la matière toute douce qu'on aime bien, donc ça c'est super. Par contre, comme j'ai déjà reçu quand même, je sais pas, ça doit être ma troisième ou quatrième taie d'oreiller, j'ai vu divers modèles et ça c'est le modèle un peu le plus chiant parce qu'on a une fermeture zip ici qui fonctionne très bien. Mais contrairement aux autres modèles, en fait, l'autre modèle, il y a un modèle qui existe où c'est juste cousu d'un côté. Et les trois autres, c'est une fermeture. Tac, tac, tac. Du coup, on ouvre, on enlève la protection, on l'enroule et on peut broder sans découdre cette partie-là. Tandis que là, on n'a qu'une fermeture au milieu. Honnêtement, je ne me vois pas passer ma main à l'intérieur et broder comme ça. Ça serait possible, mais ça serait hyper chiant. Déjà que c'est long le point de croix, mais alors là, ça va être encore plus long. Donc non, il faut découdre la toile. C'est pas le plus chiant au final de découdre. Hein. On prend un découp vite et puis on découd. Le plus chiant, c'est de recoudre après. Je l'ai encore jamais fait parce que j'ai encore jamais fini d'oreiller. Mais ouais, recoudre. Vous voyez, c'est mis d'une certaine manière aux angles qui fait que ça, c'est un angle arrondi. C'est plié, c'est pas pointu, quoi, c'est plié d'un. Donc bon, c'est faisable, mais ça va être ma partie la plus chiante, quoi. Vous voyez, on a les... C'est vrai que c'est chiant la caméra avant parce que j'ai l'impression qu'on voit moins bien, mais on a les coutures toutes ici, en fait. Les matières toutes douces. Bon, au niveau des confettis, hein, il n'y en a pas du tout. Franchement, c'est... Là, pour le coup, c'est l'éclate, quoi. Là, c'est vraiment tip-top. Hop, regardez. Il n'y a même pas un seul confetti, hein. C'est-à-dire que même les roues ou les fenêtres, ça reste des blocs de couleurs, quoi. Même le fond, enfin voilà. Ça, c'est génial, un truc détente à faire. Et puis mon fils sera bien content. Alors, on reçoit un toolkit avec bien complet. Déjà, on a deux pompons, pardon. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça. D'habitude, plus je suis en hauteur, plus vous voyez de près. Mais là, plus je suis en hauteur, plus vous voyez pas. Donc on a deux pompons, un avec trois aiguilles et l'autre avec deux aiguilles, une petite bobinette, un enfil-fil et un anneau ici à coudre. Voilà. Donc c'est placé dans un sachet zip et tout ça c'est replacé dans un sachet. Donc pas de risque de perdre un petit élément du toolkit. Et ensuite on a nos fils. Alors c'est vrai qu'en DP, quand c'est une toile simple, maintenant j'évite de sortir tous les diamants. Vous savez, quand il n'y a pas de diamants spéciaux ou de diamants en cristal,
Bon bah voilà, sortir tous les diamants, ça peut être un peu lassant à force. Mais quand c'est du point de croix, j'aime toujours regarder un peu les fils et vous les faire voir. Donc là, on a forcément du rouge pour la voiture, en tresse comme ça. Du bleu marine pour le fond, donc là, on en a trois tresses. Et ensuite, on a le reste de nos couleurs qui sont quand même vives, hein. Voilà, juste ici. Donc du noir, du gris, un orange hyper fuchsia. Donc ça, c'est notre rouge qu'on a en tresse. Un jaune. On n'a que 12 couleurs, mais j'ai l'impression quand même d'avoir pas mal de couleurs. Pour le modèle là, bien sûr. Du rose, rose, du bleu foncé, du bleu clair, un autre rouge. Là, c'est notre bleu marine pour notre fond. Et on a deux sortes de blancs. Un blanc bien blanc et un autre blanc qui tire. Je ne saurais pas dire. Sur le crème, peut-être. Enfin, voilà, deux sortes de blancs. Bah, écoutez, voilà pour ce petit projet Pointe-Croix. Bien contente. Bah, moi, pas trop. Non, moi, je vais kiffer le faire, on va dire. Et puis, j'aurai la joie de le faire pour mon fils. Après, à vrai dire, c'est pas un modèle qui m'excite, quoi. C'est pas un modèle qui m'ambiance à fond. Hein. Ça, c'est du bleu marine au fond, une voiture. Bon. Je m'en tape un peu, mais non, mon fils il sera content. Et puis l'avantage, c'est que bah, il n'y a pas de confetti, donc ça va être un truc cool, détente, devant la télé. Je vais pas le faire tout de suite, ce truc-là. Mais bon, en même temps, il va seulement avoir 2 ans au mois d'août, donc j'ai encore quand même un petit peu de temps pour le commencer. Mais je vais pas trop tarder non plus, parce que je ne vais pas le faire quand tu auras 5 ans non plus. Donc voilà. Voilà pour ce petit modèle. Alors, oui, c'est 40 sur 40 cm au prix de 9,07 €. Seul point négatif que je dirais, c'est ouais, c'est la fermeture. Mais de toute manière, hein, je pense de plus en plus, je réfléchis de plus en plus à m'acheter une machine à coudre. Après, ma mamie, elle en a une de machine à coudre. Mais une très vieille machine à coudre, mais une bonne machine à coudre. Mais elle m'a dit quand j'ai été chez elle, bon, elle va pas me la filer parce qu'elle pourrait peut-être encore en avoir besoin, puis c'est un. Je crois que c'est un cadeau et puis c'est un truc de super longtemps, quoi, il y a super longtemps. Mais par contre, elle saurait plus la remettre en route. Et elle me dit, si jamais tu arrives à la remettre en route, et ben, quand tu viens, tu prends tout ce que tu as à coudre et puis tu le fais à la maison, quoi. Donc ça peut être un truc aussi. Mais par contre, je n'ai jamais utilisé de machine à coudre. Donc en plus, c'est une vieille. Donc je ne sais pas comment je vais. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Faudrait un coup que je jette un coup d'œil là-dessus. Voilà. Et ben moi je vais ranger tout ça de mon côté. Et puis surtout dites-moi pour le son si ça va, j'espère. Je croise le doigt, je les doigts, je touche du bois, je touche du singe. Mais j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que sinon. Il y a des dérapages dehors. Parce que sinon, bah, je suis dans la merde, quoi. Clairement, là, tout de suite, j'ai des colis à vous filmer, j'ai des choses à vous faire voir. Ça serait vraiment embêtant. Voilà. Bon bah moi, je vous souhaite une superbe journée. Aujourd'hui, pour vous situer, on est jeudi. Normalement, si tout va bien, je vous publie la vidéo aujourd'hui. Et puis là, je vais ranger mes petits objets et j'ai un autre unboxing à vous tourner que je vais vous tourner juste après. J'aimerais bien aussi vous tourner une petite vidéo pour vous faire voir mes diamond paintings que j'ai rangés dans mon porte-vue. Mais c'est vrai que peut-être comme ça va pas trop être pratique. Mais bon, on verra bien comment je vais faire. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse et puis gros bisous, bye bye!